premier, l'apparition de cette maladie, les différents services qui sont là, l'ANAM, 11 pas, les directions communales de la pêche, la police communale, vraiment nous les gérons très bien. Chaque fois quand il y a un cas, on fait appel à il y a l'ambulance, on vient les chercher pour l'hôpital CHU Donka pour leur traitement. Même ce matin-là, on a eu des cas, on vient de les envoyer dans l'ambulance tout de suite à Donka. Il y a un autre cas aussi qui vient de bien à peine, on a fait appel aux médecins, ils vont venir le chercher aussi. Vraiment, le CHU Donka est disponible pour nous. Chaque fois qu'on les appelle, ils nous envoient dans des ambulances pour les chercher pour le traitement. Dans chaque fois, c'est comme ça que nous travaillons ici. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que, cette maladie, ça continue juste depuis l'apparition? Tous les jours, vous recevez des cas? Pas tous les jours, parce que ça fait depuis après la fête, on n'avait pas eu assez de cas, sauf aujourd'hui, matin. On a eu un peu de quelques personnes, de 6 à 7 personnes comme ça ce matin. C'est 8e qui est venu ici maintenant. D'accord. Ouais. Alors, dites-nous, comment se passe, votre activité ici depuis l'apparition? Est-ce qu'il y a de la panique au sein des pêcheurs ou bien comment vous gérez cette maladie au sein de votre territoire? Oui, il y a la panique au sein des pêcheurs parce qu'il y a des pêcheurs qui ont eu peur d'aller en mer. Ils disent que vraiment, il y a la maladie à chaque fois qui sort en mer, ils sont victimes de cette maladie. Donc il y en a même qui sont là actuellement, les barques sont garées, beaucoup de barques sont là, ils ne vont pas en mer. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui hésitent d'aller en mer, effectivement. Pour ne pas choper cette maladie. Est-ce que cela a eu un impact sur... Oui, cela a un impact sur le marché parce qu'actuellement, la rareté de pêche et de poisson est fréquente au sein de notre académie ici. Ce n'est plus comme avant. Actuellement, ce n'est pas facile. Donc avant, il y en avait beaucoup, mais aujourd'hui, vu que beaucoup ne vont pas en mer, on a arrêté sur le marché. Alors, est-ce que les dispositions ont été prises pour parer définitivement à cette situation parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec les autorités? Est-ce que vous avez eu à discuter sur comment remédier à ça? Oui, chaque fois on fait la réunion ici, avec les services compétents, entre nous les services compétents. Donc, pour trouver une solution à ça. Mais jusqu'à présent, les techniciens sont partis en mer, donc ils ont envoyé l'eau là pour trouver si on peut avoir un cas concret pour venir à ça. Mais jusqu'à présent, ils sont atteints, les pêcheurs sont atteints. Parmi certains de ces pêcheurs, est-ce qu'il y a beaucoup qui guérissent Beaucoup. En tout cas, avec l'hôpital depuis qu'ils ont commencé à fréquenter l'hôpital, en tout cas, ils guérissent. Il n'y a pas eu de cas de mort depuis? Non, depuis, personne n'est mort dans la salle. Personne n'est mort. Alors, est-ce que vous avez un appel en tant qu'autorité pour, peut-être pallier à cela parce que vous dites qu'il y a rareté actuellement de la poisson, de poisson sur le marché dû à cet état de fait. Est-ce que vous avez un appel Parce que l'autorité aussi a fait son mieux parce que chaque fois les gens vont en mer pour trouver une solution à ça. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas comment trouver une solution. Hein? On ne sait pas. Pour nous, comme il a fait, ça fait une semaine ou deux, une semaine, on n'a pas trouvé le cas. Pour nous, c'était fini. Mais jusqu'à présent, ça persiste. Mais ce n'est plus comme avant. Ça commence à rugir. Parce qu'avant, il y avait beaucoup, on en dirait beaucoup de cas. Mais cette fois-ci, ça commence à diminuer. Aujourd'hui, on a eu 7-8 cas. On va voir jusqu'à demain ce qui va se passer aussi. Parce qu'il y a d'autres, mais aussi qui sont en mer. Ils ne sont pas rentrés. On ne sait pas si ils se rentrent. En tout cas, d'autres vont en mer, ils viennent sans la maladie. Mais il y en a aussi qui viennent chaque fois
pourrais combattre cette maladie. Il est meilleur dans ton gars, c'est mal. Il est. Ah, ok. Donc, il y a les tongo. Non, il y a les tongo. Donc, pilote n'a pas sauvé là. Et que n'a pas ma pilote. Il y a un pilote. Donc, il y a un même quand tout finit. Il y a un hôpital. Il y a un docteur. Il y a un docteur. Ah, qui?